Une minute. On fait un direct sur YouTube. Ok. Donc, bon après-midi tout le monde. Merci d'être venu assister au symposium de Medilens à la Société algérienne d'ophtalmologie 2019 à Annaba. On a choisi un thème qui est très intéressant, qui paraît difficile, mais qui est très pratique. Les lentilles multifocales. Et je vais présenter ce symposium avec mon ami Mohamed Douzani. Donc, ça sera une session interactive, donc vous pouvez poser une question à n'importe quel moment. Sinon, c'est moi qui vais poser les questions. Ok. D'abord, je tiens à féliciter mon équipe, Ibn Haytham Center et Medilens. On a eu deux prix cette année internationaux. Le prix de la médaille d'or de la Société tunisienne des ophtalmologistes contactologues. Et récemment, Mohamed Douzani nous a fait l'honneur d'avoir le troisième prix mondial au congrès, au sommet international des spécialistes en lentilles de contact, sur une lentille particulière qui a une répercussion multifocale qu'il va présenter aujourd'hui. Donc, on va suivre ce plan. D'abord, des généralités sur la multifocalité. Ensuite, la correction de la presbytie. Donc, qui dit multifocale dit presbytie. Mais en réalité, maintenant, les lentilles multifocales ne sont pas indiquées uniquement dans la presbytie, mais aussi chez l'enfant pour contrôler l'évolution de la myopie. Et c'est la partie que va développer M. Ouzani. Ensuite, on va faire des essais de lentilles de contact souple, multifocale, sur des volontaires dans la salle. Dans la généralité, on va parler de beaucoup de choses, rapidement, des notions qui sont connues, parfois pas très bien connues, sur la multifocalité, sur l'accommodation, la presbytie, les aberrations sphériques, la profondeur de champ et la sensibilité au contraste, des considérations anatomiques concernant l'angle kappa, la taille de la pupille et la tonicité et la statique palpébrale. Comment on doit parler au patient avant de l'équiper en lentille de contact multifocale, savoir son œil directeur, définir c'est quoi la vision simultanée et la vision alternée, et on va parler de les lentilles ou les implants IDOF avec, qui sont en vogue aujourd'hui, les lentilles ou les implants avec extent depth of field. D'abord l'accommodation, donc principalement c'est le cristallin qui est le principal organe de l'accommodation. Il est relié à la paroi du globe oculaire par les muscles ciliaires et aux muscles ciliaires par la zone 1. Au repos, il permet une vision de loin lorsque le muscle ciliaire se contracte, le cristallin gonfle et ça permet de focaliser une image de près, de la mettre sur la rétine. Donc c'est vrai que c'est un phénomène complexe, le mécanisme exact n'est pas très bien connu, mais c'est un réflexe que tout le monde a. Qu'est-ce qui se passe avec l'âge? Cette puissance d'accommodation diminue, elle est de 6 à 7 à 10, 15 dioptries à la naissance, ensuite elle diminue pour qu'elle soit handicapante à partir de 40 ans, lorsque on n'arrive plus, ce cristallin, cette lentille naturelle, n'arrive plus à accommoder plus de 3 dioptries, ce qui donne une vision une distance focale d'environ un tiers de mètre. Et à partir de ce moment-là, le patient va venir consulter parce qu'il n'arrive plus à lire. Okay. Pour contrecarrer la presbytie, on peut utiliser des lentilles multifocales.
Voici la différence entre une lentille monofocale. Les rayons sont focalisés au niveau d'un seul point, un seul plan, alors que une lentille multifocale va nous donner plusieurs foyers. Et c'est ça qui permet de corriger l'accommodation, la presbytie, et on appelle ça une pseudo-accommodation. Cela induit une aberration particulière, l'aberration sphérique. Donc, on sait qu'on reçoit des patients qui sont presbytes, et après l'âge de 60-70 ans, lorsqu'ils développent un type particulier de cataracte, qui est dit la cataracte nucléaire, retrouvent leur vision de près, et ils sont eux-mêmes étonnés parce qu'ils arrivent à lire alors qu'ils étaient presbytes, alors qu'ils sont presbytes, réellement presbytes. Cela s'explique par cette cataracte nucléaire qui induit une augmentation de l'aberration sphérique. Et cette aberration sphérique, c'est elle qui va entraîner une amélioration de la vision de près. Et une lentille multifocale fonctionne comme une cataracte nucléaire. Donc elle induit une aberration sphérique qui va corriger en partie la presbytie. Il faut savoir que cette aberration sphérique, le cerveau peut la tolérer jusqu'à certaines limites. Plus l'aberration sphérique est importante, comme ce graphe, meilleure est la profondeur de champ en rouge. Mais ici associe malheureusement une dégradation de la sensibilité au contraste. Donc il y a un compromis entre cette aberration sphérique et la qualité de vue. Donc, le cerveau pourrait tolérer, chez certains patients, après une adaptation, peuvent tolérer une certaine diminution de l'aberration de la sensibilité de contraste dans le but d'avoir une profondeur de champ et donc d'améliorer son acuité visuelle de près. Donc, cette notion est importante parce que il faut savoir, on va voir par la suite, comment on va proposer une lentille multifocale à un patient presbyte, et il y a des limites. Donc on comprend parfaitement qu'il y a des limites dans ce type de correction. On va parler maintenant des considérations anatomiques. Donc l'œil, il va recevoir une lentille multifocale. Particulièrement dans la multifocalité, il faut s'intéresser au niveau sur la pupille et s'intéresser sur l'angle kappa. C'est quoi l'angle kappa? C'est l'angle que forme l'axe visuel avec une perpendiculaire sur la cornée qui passe par le centre de la pupille. Et bien cet angle kappa, il est différent d'un œil à un autre, et il explique pourquoi le reflet purkinje d'un appareil de mesure est toujours décalé en nasal. Cet angle ici associe une autre considération anatomique, c'est lorsqu'on va poser une lentille de contact à appui scléral, qu'elle soit souple, hybride ou sclérale, la lentille rigide non, puisqu'elle repose uniquement sur la cornée, la lentille va basculer un petit peu vers le côté temporal parce que la sclère nasale est plus haute que la sclère temporale. Donc la lentille va avoir tendance à partir en temporal et son centre optique va être décalé en temporal. Donc, ces deux considérations, si on ajoute l'angle kappa avec la translation temporale de la lentille, si une lentille multifocale avec son centre qui ne va pas correspondre à l'axe visuel, le patient va se plaindre de quel type d'aberration lorsque les deux systèmes optiques ne sont pas parfaitement alignés. La lentille, elle est décalée en temporal et l'axe de vision est décalé en nasal. C'est une lentille multifocale. Elle devrait donner principalement des aberrations sphériques si elle est vraiment alignée. Lorsqu'elle est désalignée, le patient va être très gêné. Il ne sera pas satisfait de sa vision ni de loin ni de près, surtout lorsque la pupille se dilate. Et le type d'aberration qui va être, c'est le comment. Donc à chaque fois que les systèmes optiques sont décalés, le patient va voir à partir d'un point lumineux, une queue qui est le coma. Donc deux considérations anatomiques, l'angle kappa, il faut savoir
quel est cet angle? Pas précisément, mais parfois, quand on fait une sur l'autocarotide réfractomètre, on voit que l'axe est très dévié en nasal, que le patient ne fixe pas au niveau du centre de sa pupille, parce que le globe oculaire, il part un peu en temporal. Donc cette considération est important à prendre en charge lorsqu'on a un échec d'adaptation. On lui donne des lentilles, tout est bien, mais il ne voit pas bien. C'est vrai qu'on peut faire une aberration sur une lentille et mettre en évidence le coma, mais déjà à l'examen à lampe à fente, on peut savoir que ce patient, son principal problème est que les axes, l'axe optique ne correspond pas à l'axe de sa lentille. Troisième considération anatomique, c'est la taille de la pupille. On voit des patients avec de toutes petites pupilles, d'autres avec des pupilles larges. La pupille diminue avec l'âge. Et si on est, par exemple, on adapte ce patient avec ce type de lentille, multifocale avec une addition de près au centre, une petite addition de centre qui fait 1,8 à 2,3 mm, si cette lentille, ce profil, sera mis sur cette pupille qui est étroite, bien le patient va voir uniquement de près et de loin et il ne sera pas satisfait. D'accord. Et dernière considération anatomique, c'est la statique palpébrale, la dynamique palpébrale, et on s'intéresse ici surtout à la paupière inférieure. Pourquoi? Parce que parmi les moyens qu'on a pour corriger un patient presbyte, c'est de lui donner une vision alternée, on va voir tout à l'heure, avec une lentille rigide, c'est-à-dire une lentille qui bouge, avec le mouvement du regard, avec le regard, c'est-à-dire que lorsqu'il voit droit devant, il va utiliser la partie supérieure de la lentille pour voir de loin, et lorsqu'il voit, son regard va se porter en bas, il va voir avec la partie de la lentille qui est faite pour la vision de près. On dit que c'est une lentille segmentée, la partie supérieure pour la vision de loin, la partie inférieure pour la vision de près, et c'est la paupière qui va bloquer la lentille et pour permettre la translation entre la vision de loin et la vision de près. Un patient avec un scleral chaud, comme dans ce cas, n'est pas un bon candidat à ce type d'adaptation. Un patient avec cette large centrale palpébrale, avec une paupière inférieure qui est loin du limbe, il vaut mieux l'adapter avec une lentille souple. Une lentille souple qui va être bien centrée, mais qui ne va pas bouger, qui ne va pas bouger beaucoup, parce que ici, ce patient pourrait bénéficier d'une adaptation spécial, une adaptation avec une vision alternée. Correction de loin, 100%, correction de près, 100%. On va voir un exemple à la fin de cette présentation. Donc on a fini les considérations anatomiques. Maintenant, communiquer avec le patient. Okay. Le patient, on va lui donner des lentilles progressives, multifocales, probablement. Ah oui, dans le cas d'une vision simultanée, eh bien, il faut lui dire que peut-être, surtout au début, il va voir des aberrations. On va lui provoquer des aberrations optiques, aberrations sphériques, et cette aberration sphérique va se manifester soit sous forme d'halo autour des lumières, soit de forme de brouillard autour des lumières. Donc c'est ça, les deux aberrations qui sont typiques. Ces deux symptômes sont typiques de l'aberration sphérique. Donc le patient pourrait se plaindre, par exemple, en portant ses lentilles multivocales la nuit, de ne pas voir bien de loin. C'est pour ça, donc, quand on discute avec le patient, on doit savoir ses habitudes de vie, de sport. Est-ce qu'il fait beaucoup de travail la nuit? Est-ce qu'il conduit beaucoup la nuit? Il faut l'avertir que avec une lentille multifocale sur une vision simultanée, il aura une bonne vision de loin, mais elle ne serait pas excellente. Et une bonne vision de près ne serait pas excellente. Ce n'est pas comme une lentille ou un verre monofocal où toute la correction est soit de loin à 100%, soit de près à 100%. Sinon, l'autre proposition, si vraiment il est exigeant, il va avoir une excellente vision de loin et une excellente vision de près, même la nuit, on opte pour la vision alternée. Il faut déterminer l'œil directeur. Plusieurs moyens pour savoir quel est l'œil directeur. Un moyen le plus simple, c'est de demander au patient de tendre la main,
de constituer avec sa main un losange et d'essayer, les deux yeux ouverts en toute spontanéité, d'essayer de fixer un objet de loin à travers ce losange fermé par ses deux mains. Ensuite, on lui demande de fermer un des deux yeux, un œil, ensuite l'autre. Lorsqu'il ferme un œil et l'image reste, l'objet fixé ne bouge pas, il est toujours à l'intérieur du losange. Donc l'œil qui est resté ouvert serait et certainement l'œil directeur. Si lorsqu'il ferme un œil, l'image disparaît, l'image de son disparaît, c'est que l'œil fermé, c'est lui l'œil directeur. C'est une technique simple, très efficace, reproductible pour déterminer l'œil directeur. On aura besoin de ça pour une bonne adaptation. Ok, je termine les généralités avec le concept d'IDOF. Donc cet après-midi, ce soir, on aura une présentation en English session. Un ami indien va nous parler des implants IDOF, des implants avec extent, depth of fold, field or focus, extent, depth of focus. Et donc c'est un type particulier d'implant multifocal. Et en 2019, la société Markinovid en Espagne, elle a fabriqué une lentille, non pas un implant, mais une lentille multifocale. Le but, c'est que le foyer image ne soit pas dans un seul plan, ce ne serait pas un point, mais plutôt un trait. Et donc, on aura cette extension du champ, une profondeur de champ pour voir de loin et de près. Ok. Venons maintenant au type de vision qu'on peut proposer à un patient presbyte qui ne veut plus porter de lunettes. On lui proposera deux solutions. Soit des lentilles souples avec vision simultanée, soit une lentille souple avec vision alternée. C'est quoi la différence? Okay. La vision simultanée, c'est que ce dispositif médical qui est la lentille souple qui est sur son œil va lui donner à tout moment toutes les focales seront au niveau de sa rétine, envoyées au niveau du cerveau, et c'est le cerveau qui va choisir quel objet, quelle distance, il va se concentrer sur quelle distance. Donc ça demande une adaptation, et on appelle ça un tricortical. Donc c'est son cortex cérébral qui va choisir quel est l'objet qui l'intéresse. Est-ce qu'il est à 6 mètres, est-ce qu'il est à 40 cm, est-ce qu'il est à 30 cm? Donc ça c'est une pseudo-accommodation, ce n'est pas une accommodation, c'est une pseudo-accommodation. Et ça nécessite une adaptation qui est parfois instantanée. Dès qu'on met la lentille, le patient, surtout le jeune presbyte, 40-50 ans, et immédiatement il est content, il voit bien de loin et de près. Bon, ça c'est le principe de la vision simultanée. La vision alternée, et la vision simultanée, elle peut être réalisée soit avec une lentille souple, soit avec une lentille rigide. Et elle serait la solution la plus simple, rapide, pas d'aller-retour avec en consultation. Et si on veut aller vers une optimisation, une parfaite vision de loin, 100% d'acuité vision en vision de loin, 100% d'acuité vision en vision de près, comme avoir deux paires de lunettes, comme des lunettes double foyer ou des lunettes progressives, ici on lui propose une solution avec une vision alternée, et ça ne peut être faite, cette solution, qu'avec une lentille rigide qui est segmentée. Donc la partie supérieure de la lentille est faite pour la vision de loin, la partie inférieure la vision de près, et il faut qu'il y ait un mouvement assez important de la lentille entre la vision de loin et de près par rapport au globe oculaire. C'est l'œil qui bouge, la lentille ne bouge pas trop, elle est bloquée par la paupière inférieure pour permettre cette translation, pour que la pupille passe de la partie supérieure faite pour la vision de loin vers la partie inférieure qui focalise la vision de près. Et avec ça, si on est bon, le patient sera très très satisfait. Il n'y a pas d'aberration, rien. Comme s'il porte deux lentilles à la fois. Ok. On passe à un exemple. Donc on va opter pour une lentille souple. Qui dit lentille souple? Donc certainement c'est une vision simultanée, non pas alternée. Donc il y a un tricortical.
Et on a choisi parmi les gammes de lentilles de contact disponibles chez Minilens, la lentille C2 Extra. C'est une nouvelle lentille 2019 par le fabricant français Prescience. Ben, cette lentille, c'est une lentille mensuelle, souple, sphérique pour le moment, en silicone hydrogel qui corrige la presbytie. Comment on va l'adapter? C'est assez simple, ce n'est pas trop chronophage. D'abord, il faut faire, tout commence par une très bonne réfraction. Et quand on dit très bonne réfraction, surtout en correction de la presbytie, il faut saturer l'hypermétropie. C'est-à-dire donner la meilleure correction convexe. Saturer, faire le test vert rouge pour être sûr qu'on a donné le maximum de puissance positive. Autrement dit, le minimum de puissance négative. D'accord. Ensuite, donc ça pour la vision de loin, on fait une addition pour la vision de près. Et comment on l'a fait? Donc, on met le test à 40 cm, test de lecture à 40 cm, et on augmente petit à petit, œil par œil, de plusieurs 25 sur la monture d'essai, jusqu'à ce que le patient commence à déchiffrer à peine le parino 2. D'accord? Donc, on retient la valeur qu'on a trouvée. Imaginons qu'on a trouvé plus 0,75. À partir de plus 0,75, en addition de près, il commence à déchiffrer quelques lettres, quelques mots à 40 cm. Et bien, cette addition de plus 0,75, on va rajouter un plus 1. Ça sera un plus 1,75. Et c'est ça, l'addition à vision de près. D'accord? Ensuite, on va rechercher les préférentiels. D'abord par la technique que j'ai expliquée tout à l'heure, qui est simple. Pour la confirmer, il y a un test simple. Les deux yeux ouverts, le patient portant sa correction totale de loin des deux yeux, on fait passer une sphère de plus 0,75 de manière alternée entre l'œil droit puis l'œil gauche. Et on demande au patient de voir de loin à quel moment la vision de loin est plus brouillée. Est-ce que lorsque le plus 0,75 est sur son œil droit ou est-ce que lorsque le plus 0,75 est sur son œil gauche? Eh bien, la vision serait plus brouillée lorsque le plus 0,75 est mis sur l'œil directeur. Donc, le patient il va nous répondre, quand je mets le plus 0,75 à gauche, c'est là où il est encore plus brouillé en vision de loin. On va dire que l'œil gauche est son œil directeur. Donc, on a presque fini. On a la puissance de la vision de loin, c'est la correction convexe maximale. Et bien, il faut la rapporter à la cornée, parce que. Donc, il faut utiliser les tables de conversion qui permettent de transférer la sphère en vert vers la sphère en lentille. Deuxièmement, dans cette lentille, ces deux extra, on a deux types d'additions, soit une addition high, soit une addition low. Et en fonction de la valeur de l'addition qu'on a trouvée en vision de près, je rappelle, la vision de près, 40 cm, le patient portant sa correction de loin, on ajoute plus 0,25 par plus 0,25, pas par pas, plus 0,25 par plus 0,25, jusqu'il commence à déchiffrer le parino 2 à 40 cm. Cette valeur retrouvée, on lui ajoute un plus 1. Et c'est ça l'addition de loin, de près. Pardon. Si cette addition de près est inférieure à 2,25, on va opter par une lentille avec une addition dite low. Et si cette valeur est supérieure à 2,50, on va opter pour une lentille avec une addition dite high. Donc le C2 extra, la lentille C2 extra, elle a uniquement deux ordres d'addition, low, faible, high, élevé. Le contrôle, on fait un contrôle. Si la vision de près est insuffisante, ensuite si la vision de loin est insuffisante, si la vision de près est insuffisante, ok, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut toujours changer un seul paramètre à la fois. C'est-à-dire, on va rajouter un plus 0,25 sur l'œil préféré en vision de près ou les deux yeux, puis contrôler la vision de loin. Donc si la vision de près est insuffisante, si l'œil directeur est en l'œil droit et l'œil dominé c'est l'œil gauche, donc on va ajouter un plus 0,25 en vision de près pour l'œil gauche. Et juste après, il faut contrôler la vision de loin, parce que peut-être on va diminuer un petit peu la vision de loin. Maintenant, le contraire, si la vision de loin est insuffisante, eh ben, on va diminuer, donc ajouter un moins 0,25 de l'œil préféré de loin, c'est-à-dire l'œil directeur, ou au niveau des deux yeux, bien sûr, contrôler par la suite la vision de près. Donc il faut trouver un compromis entre vision de loin et de vision de près, œil directeur, œil dominé, pour avoir en binoculaire une bonne vision de loin et de près. Par exemple, si le patient il vous dit « Oui, les deux yeux ouverts, je vois très très bien de loin et je vois très très bien de près », mais si je ferme un œil droit, par exemple, je vois bien de loin, mais pas bien de près, et le gauche, le contraire, vous lui dites, c'est l'objectif. On va jouer entre la binocularité, vision de loin, vision de près, œil dominant, œil dominé, pour qu'en binoculaire, vous ayez une bonne vision de loin et une assez bonne vision de près. Voici les paramètres de cette lentille. Avec un seul rayon de courbure pour le moment, un diamètre de 14-20 et des puissances allant de moins 8 à plus 6 avec un pas de 0,25 et de 0,5, 30, moins 6 et moins 8. Donc, ça c'est juste un exemple et on va à la fin faire un essai. Maintenant, on passe à une correction un peu plus sophistiquée, un peu plus, disons, professionnelle. Plus compliqué, c'est la correction de la presbytie avec une lentille rigide pour avoir une vision alternée. C'est les patients exigeants qui veulent une vision parfaite de loin à 100%, une vision parfaite de près à 100%. Disons que c'est un chauffeur routier qui conduit son poids lourd et donc il fait beaucoup de distance la nuit et il veut pas porter de lunettes. Donc pour ce cas particulier, cette lentille est très bonne, c'est une très bonne solution pour lui. L'expert progressif, donc, c'est une lentille rigide qui donne une bonne vision alternée. Comment on va prescrire cette lentille? Ok, toujours faire une bonne réfraction, le maximum convexe, saturer l'hypermétropie, bonne réfraction de loin et de près. Ici, on a besoin d'une kératométrie, plus ou moins une topographie, et une biométrie. Mais il faut faire certaines mesures. Et ces mesures sont importantes quand on adapte une lentille rigide avec vision alternée. Expert progressif. On a besoin du diamètre de la cornée, on a besoin du diamètre de la pupille, on a besoin de la hauteur de la fente palpébrale, et on a besoin de la distance qui sépare le bord inférieur de la pupille bord supérieur de la paupière inférieure. Aussi, on doit savoir comment la paupière inférieure, le bord brillant de la paupière inférieure, ses relations avec la cornée. Est-ce qu'il chevauche la cornée? Est-ce qu'il est tangent à la cornée? Ou est-ce qu'il est loin de la cornée avec un scléral chaud? Comment pourrait avoir ces valeurs de manière simple? C'est avec la majorité des autokératoréfractomètres. Lorsqu'on prend une photo, on peut figer la photo, avoir un curseur et prendre ces mesures. Toutes ces mesures. D'accord. Donc c'est une lentille qui donne une excellente vision de loin et de près. C'est une lentille rigide. Comment on va choisir l'orient de courbure de cette lentille? Comme toute lentille, c'est en fonction de la kératométrie. Comme toute lentille rigide, c'est en fonction de la kératométrie. Si on est en face d'une petite toricité cornéenne, c'est-à-dire un astigmatisme cornéen inférieur ou égal à 5 centièmes, c'est-à-dire 2,5 dioptries, eh bien on va opter pour une lentille sphérique, dont la face postérieure est sphérique et dont l'orient de courbure est égal au orient de courbure à la kératométrie moyenne. Bien sûr, la puissance, la correction de loin, la sphère de loin, bien sûr, il faut relativiser par rapport à la distance vers œil. Et l'addition de près, c'est l'addition lunette.
Maintenant, si on est en face d'un fort astigmatisme coronarien, il s'agit d'une lentille rigide. Et bien, la lentille ne va pas tenir si elle est sphérique. Si sa face postérieure est sphérique, il faut qu'elle ait une face postérieure torique pour bien tenir sur cette cornée qui est très astigmate. Et ici, d'autres calculs entrent en considération, surtout à cause de la multifocalité sur la face antérieure. Et ici, le laboratoire, ou bien le logiciel de Presinas, le Click and Fit, que vous pouvez télécharger, pourra vous faire le calcul pour gagner du temps, ne pas passer par le laboratoire. Ça, c'est les rayons de courbure. Maintenant, comment évaluer cette lentille? C'est une lentille segmentée. Donc il y a une partie pour la vision de loin, une partie pour la vision de près. La partie supérieure pour la vision de loin, la partie inférieure pour la vision de près, et une petite bande pour la vision intermédiaire. Il y a des points d'alignement. Donc, comment on va évaluer cette lentille dite expert progressif qui a eu un prix? Aux années, rappelez-moi. Cette lentille existe depuis 25 ans et c'est la première lentille progressive rigide au monde, créée au monde, depuis 25 ans. Et le prix? Pour le prix, il y a l'association des fabricants de lentilles de contact européens que la Expert Progressive a eu le premier prix en multifocal rigide. Merci. Ok. Donc, l'acuité visuelle en monoculaire, ensuite en binoculaire, la vision de près, l'acuité visuelle en binoculaire avec un éclairage normal, ensuite contrôle de la plage de la vision intermédiaire. Il y a deux points qui nous indiquent où se trouve la vision intermédiaire. L'examen en lampe à fente, on voit si la lentille est bien centrée, la position des points d'alignement, le mouvement en regard en position primaire du regard et la translation. Donc la lentille, le bord supérieur, lorsque le regard est porté vers le bas, la lentille doit monter avec un bord supérieur, il doit frôler, affleurer le limbe supérieur pour que la partie inférieure remonte dans l'air pupillaire. Voici l'image fluorescéinique de cette lentille. Okay. Donc on voit certaines situations où il faut changer certains paramètres. Okay. D'abord, on a dit que les deux points d'alignement doivent être à la partie au niveau du tiers inférieur de la pupille. Si la ligne des points d'alignement est dans les deux tiers supérieurs, comme dans ce cas, certainement ce patient ne verra pas bien de loin. C'est la partie de près qui couvre la plus grande partie de sa pupille. Donc la lentille, elle peut être décentrée vers le haut, et dans ce cas, parce qu'elle est happée par la paupière supérieure, et comme dans toute lentille rigide, lorsque la paupière tire la lentille vers le haut, pour la faire baisser, il faut diminuer le diamètre de la lentille. Si par contre, il y a un appui sur la paupière inférieure, ici, et que malgré cela, la ligne horizontale, les points d'alignement est dans les deux tiers supérieurs de la lentille, eh ben, il faut juste demander au fabricant de commander une nouvelle lentille et que ce segment doit être baissé en bas pour qu'il soit dans le tiers inférieur où il frôle le bord inférieur de la pupille. Donc ce paramètre, il est modifiable. On peut demander au fabricant de diminuer la hauteur du sous-segment, ne pas la laisser ici, mais la rendre un peu plus basse. Maintenant, dans l'autre cas de figure, si cette ligne d'alignement, elle est sous la pupille, c'est vrai que, et que la lentille, si elle glisse sous la paupière inférieure, donc une partie de la lentille glisse sous la paupière supérieure, parce que la lentille, elle est basse, pour la faire remonter, il faut juste augmenter le diamètre de la lentille. Ici, si par contre il y a un appui sur la paupière inférieure au niveau du limbe et que la ligne est au-dessous de la pupille, ici par contre il faut augmenter le diamètre de la lentille. Maintenant, toujours pour optimiser la vision de près et de loin et la vision intermédiaire, faire une réfraction complémentaire avec lunettes d'essai, contrôler la translation lors du regard en position primaire,
Donc là, on va vérifier. Maintenant, on va vérifier la translation. Est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'il y a une translation? Elle est correcte et le segment trop bas en regard, regard primaire. Si la translation est correcte, ça, la lentille bouge bien lorsque le patient passe du regard droit devant vers le regard 30 degrés en bas pour la lecture et que les alignements sont bien positionnés, et bien, tout est bien. Donc tout bouge bien, mais le patient ne voit pas bien. Donc on va se dire que certainement on a fait une erreur dans la réfraction. Ok. Donc faire une réfraction complémentaire et corriger ce qu'il y a comme réfraction résiduelle. La réfraction la prend sur la lentille. Le bonhomme a toujours sa lentille. On calcule de plus ou on refait l'essai? Oui. Donc on fait une over-réfraction sur l'autocératoréfractomètre sur la lentille, dans ce cas de figure. Donc on va s'intéresser sur la vision de loin et faire toujours un test subjectif. Donc la réfraction objective ne suffit pas. Faire un test subjectif, le brouiller, faire le test vert rouge, toujours être sûr qu'on est en train de saturer son hypermétropie et qu'on n'est pas en train de surcorriger une myopie. Donc c'est ça l'erreur qu'on commet souvent lorsqu'on corrige un patient presbyte, soit par lunette, soit par lentille de contact. Oui, donc on fait une over-réfraction sur lentille. Oui. Mais ne pas se fier uniquement à l'over-réfraction de nos autocératoréfractomètres. Faire l'essai subjectif. Hein. On est souvent à plus ou moins 50 dioptries. Et ça vole. Et ces 0,5 dioptries, eh bien, ils sont importants. Si un hypermétrope, on le sous-corrige, un jeune hypermétrope qui a 45 ans, on sous-corrige son hypermétropie de loin, il sera demandeur d'une addition qui paraît très importante en vision de près. Parce que une partie de l'accommodation est déjà soustraite en vision de loin. Donc, saturer l'hypermétrope en faisant le test de roche, en faisant le test de brouillard. Maintenant, si la translation est mauvaise, la lentille passe sous la paupière inférieure lors du regard en vision primaire, okay. C'est que ici, il faut soit augmenter le diamètre, soit et ou le rayon de courbure de la lentille. Le dernier cas, si la translation est correcte, la lentille bouge bien et le segment est trop bas en regard primaire. Par exemple, ici, la paupière inférieure est sous le limbe, il faut augmenter le diamètre. S'il y a une bonne position de la lentille en regard primaire, malgré avec une translation correcte et un segment trop bas, il faut augmenter la lentille et faire monter le segment de la vision de près. Ça paraît un peu compliqué, mais le but est simple, c'est que la lentille doit bouger. Il faut en position droite du regard, le segment supérieur, c'est lui qui se projette sur la pupille, et dans le regard vers le bas, c'est le segment inférieur qui est en regard de la pupille. On peut simplifier tout ça en remplissant cette fiche. Donc, on a la lentille, on fait les différentes mesures, l'acuité visuelle de loin, de près, la position du menton, la hauteur de la pupille, la tonicité de la paupière, et on doit juste coucher ce qu'on remarque et envoyer ça au fabricant, et c'est lui qui va nous dessiner une nouvelle lentille pour corriger les problèmes qu'on a eu avec la première. Donc c'est une lentille qui paraît un peu plus compliquée, mais c'est elle seule qui permet à un presbyte de jouir d'une parfaite vision de loin et une parfaite vision de près. Donc j'ai fini ma partie. Je vous dis que toutes nos présentations, même celle d'aujourd'hui, est sur YouTube. Vous pouvez la revoir, même pour nous poser des questions ultérieurement. Et je remercie l'équipe Medilens, l'équipe Ibn al-Haytham et l'équipe de la clinique Tawfiq. Merci. Je donne la parole à mon ami Mohamed Ouzani pour la deuxième partie. Des questions. Quand on a la lentille, quand elle est trop basse, oui, quand elle est en rigide, est-ce que c'est dû à
comment on fait la différence entre un rayon de courbure qui n'est pas adéquat et le diamètre? Merci, très bonne question. D'accord. Donc, l'expert progressif se comporte comme toute lentille rigide. Donc, deux principaux paramètres pour la géométrie, le diamètre et le rayon de courbure. Donc, c'est l'image fluorocéanique qui va nous déterminer. Une adaptation serrée, elle a tendance à être basse. Une adaptation plate, par contre, elle a tendance à être haute. Une lentille de grand diamètre, elle a tendance à monter. Une lentille de petit diamètre a tendance à baisser. Merci. Vous pouvez trouver le cours sur lentille rigide qu'on a présenté il y a deux semaines, ici même, dans cette même salle. Tout est possible avec rigide. Et les dernières slides de ce cours sur YouTube expliquent bien comment chaque paramètre d'une lentille rigide, entre puissance, rayon de courbure et diamètre, peut intervenir sur la dynamique et la réfraction. Merci. Pardon, est-ce qu'on peut utiliser ce genre de correction dans le cas des enfants qui ont des excès de convergence? Okay. Merci, c'est une excellente indication. Donc, les strabismes accommodatifs avec un rapport AC sur A important, c'est vrai que parmi les meilleures indications, c'est l'équiper en lunettes progressives ou en lentilles progressives. Parce qu'il est enfant, donc c'est intéressant de l'équiper en lentilles rigides, non pas avec une lentille souple, soit un fort hypermétrope. Et autre chose, on peut l'équiper soit en lentilles rigides, en vision simultanée, pas obligatoirement en vision alternée, parce que vous voyez que c'est peu compliqué la vision alternée. Et lentille rigide simultanée, oui, bien sûr. Pardon, il y a même des cas des adultes qui gardent toujours les séquelles de l'excès de convergence. Même les adultes, on les trouve, dès qu'ils enlèvent leurs lunettes, c'est impressionnant. Si un patient ésotrope, on est sûr de sa réfraction sous cycloplégie, et malgré la correction, il garde un petit angle, et si cet angle se détend en le surcorrigeant, eh bien c'est une bonne indication. Soit des verres progressifs, soit des antiprogressifs. L'enfant, on préfère une rigide. Pas une rigide avec ce type d'adaptation un peu compliqué. Commencez par une rigide avec une vision simultanée. Les enfants, leur cerveau est très malléable et accepte facilement. Le tricortical est instantané chez l'enfant. Merci, docteur Mki. Bonjour tout le monde. Moi, je vais parler plus sur une autre utilisation des lentilles multifocales. Docteur Mki a bien précisé, bien détaillé comment corriger le presbyte par lentilles multifocales. On va voir comment ces lentilles multifocales peuvent aussi intervenir pour une autre indication qui est le contrôle de myopie. Donc, je commence par la myopie, donc pandémie mondiale. On en voit beaucoup de myopes, d'enfants myopes qui évoluent très rapidement, qu'on n'arrive pas à freiner leur myopie. On connaît tous que les complications de la forte myopie qui sont malheureusement irréversibles dans certains cas. J'aime bien ce tableau qui nous montre les risques pathologiques liés à la myopie, comment ils augmentent en fonction du degré de la myopie. Donc un enfant qui a une myopie de moins 1 et un enfant qui a une myopie de moins 6 ou plus, ils n'ont pas les mêmes risques de complications. Donc il y a la théorie de la réfraction périphérique. Donc, quand on fait une réfraction, on est en réfraction centrale, on prend nos mesures de réfraction macula, mais la réfraction périphérique, elle existe, et elle est très 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 importante. Donc, la théorie de la réfraction périphérique, définie par Earl Smith en 2009, donc l'élongation axiale est contrôlée par un mécanisme rétinien local, la réfraction hors axe influence l'erreur de réfraction centrale,
la croissance de l'œil peut être modifiée en exposant la rétine périphérique à un défocus relatif myope ou hypérope. Donc cette théorie-là a été déterminée par Dr. Earl Smith sur les singes, une étude sur les singes, et il a déterminé que l'élongation axiale est affectée par cette réfraction périphérique comme par la réfraction centrale. Donc si cette réfraction est hyperopique ou myopique, l'élongation axiale ou l'évolution de cette élongation n'est pas la même. Comment mesurer cette réfraction? Il y a des instruments, un autoréfractomètre périphérique qu'on peut mesurer avec. Donc le patient il fixe un point à un certain degré bien défini et on prend les mesures sur chaque angle. Ça, c'est des guidelines que je voulais présenter sur le contrôle de myopie. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a un enfant myope qui évolue? Donc, examen initial, on doit faire tout. Donc, surtout sur les parents, est-ce que les parents sont myopes? L'historique des prescriptions, lunettes ou lentilles de contact. Bien sûr, acuité visuelle, vision binoculaire, topographie cornéenne. Examen du segment antérieur, segment postérieur, et réfraction objective et subjective et sous-cécloplégique. Donc, avec tout ça, on peut faire un tri de nos patients. Donc, il faut différencier les patients à haut risque et à faible risque, les patients qui vont évoluer très rapidement et les patients qui évoluent lentement. Parce que cela dépend des parents, dépend de la réfraction initiale, dépend du mode de vie. Si cet enfant vit dans un environnement fermé, donc il est tout le temps à la maison, à l'école, la maison, la crèche, sport, etc. Ou il joue dehors, est-ce que cet enfant passe plus de 2 heures, 3 heures dehors à jouer dans le jardin ou donc il faut faire le tri de ces patients-là pour différencier est-ce que cet enfant risque d'évoluer très rapidement ou cet enfant pourra évoluer normalement avec l'élongation axiale normale. Donc comment contrôler la myopie? Il y a plusieurs outils pour contrôler la myopie. Donc s'il n'y a pas de myopie d'abord, si cet enfant n'est pas myope, il faut donner des conseils aux parents pour que cet enfant doit avoir un temps dehors pour jouer dehors plus de 2 heures par jour pour éviter le risque d'installation de la myopie. Déjà, si l'enfant n'est pas myope. Maintenant, si l'enfant est myope, il faut d'abord choisir la bonne méthode pour freiner sa myopie, d'abord la corriger, puis choisir une bonne méthode pour corriger. Donc, pour les méthodes, on peut avoir des méthodes optiques ou pharmacologiques comme l'atropine diluée à 0,01%, mais maintenant même le dosage à 0,01% a l'effet de rebond. Donc si on arrête ce traitement-là, la myopie peut reprendre les dioptries qu'on a gagnées pendant ces années-là. Donc maintenant, on utilise le dosage à 0,025%, donc l'atropine diluée, 0,025%. Pour les méthodes optiques, nous avons les lunettes multifocales, l'orthokératologie, il y a plusieurs études qui ont démontré l'efficacité de l'orthokératologie dans le contrôle de myopie. Et les lentilles souples multifocales qu'on va parler aujourd'hui, et c'est pas que les lentilles souples, il y a même les rigides, on va en parler en détail. Pour le suivi, bien sûr, si le patient il est sous atropine, on doit faire un contrôle après une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois. Lentilles souples multifocales ou lentilles rigides, même chose. Donc orthokératologie, même chose, en lunettes chaque 6 mois. Et bien sûr, dans chaque contrôle, il faut faire ces examens-là par
quelques lentilles de spécialité, on doit faire des topographies, comme l'orthokératologien doit faire topographie dans chaque contrôle. D'accord. Maintenant, on va commencer par les lentilles souples. Il y a plusieurs lentilles souples multifocales utilisées dans le contrôle de myopie qui existent dans le marché et qui ont fait l'objet des études, qui ont été utilisées dans des études. La plupart de ces lentilles étaient fabriquées pour corriger la presbytie. Au début, ces lentilles-là n'étaient pas destinées pour contrôler la myopie, mais certains praticiens ont remarqué que ces lentilles-là, chez les enfants, arrivent à contrôler la myopie. Maintenant, on a de nouveaux designs spéciaux pour design multifocal spécial pour contrôle de myopie qui arrivent au marché de plus en plus. Tous les fabricants ont commencé à développer des géométries pour le contrôle de myopie. Donc, pour le pourcentage d'efficacité, il diffère entre les designs et les études qui ont été publiées selon, bien sûr, l'échantillon des patients utilisés. La moyenne était de 38% par rapport à l'ortho-K qui est de 51%. Donc, moins que l'orthokératologie, mais ces études-là avaient un recul pas assez important, donc maximum 3 ans, et l'échantillon était plus ou moins limite. Là, on voit l'efficacité du contrôle de myopie en longueur axiale, donc combien l'œil ou la longueur axiale augmente par an, si on freine ou pas. Et ces lentilles-là, comme la Proclear D et la AQ-VU, sont des lentilles utilisées pour corriger la presbytie, qui existe depuis plus de 20 ans. Et la Amyopic, la MySight et la DISC, c'est des lentilles qui sont designées pour contrôler la myopie, qui ne sont pas faites pour corriger la presbytie. Donc, en moyenne, on avait un contrôle de 0,09 mm par an par ces lentilles-là contre 0,13 mm par an avec l'orthokératologie. Donc on voit la différence, mais quand même on arrive à freiner la myopie même avec l'antisouple multifocale. Là c'est un tableau qu'on compare l'efficacité de certains designs parce que le but c'est quelle est la différence entre ces lentilles. C'est que l'addition en périphérique, toutes ces lentilles sont des center distance. Donc la vision de centrale ou la partie centrale de la lentille est destinée pour la vision de loin et la partie périphérique pour la vision de près. Donc ici, on va faire une revue des designs là et combien d'additions on met périphérique pour voir l'efficacité de ces lentilles. Bien sûr, la taille des pupilles diminue avec l'âge. J'ai aimé parler de ce paramètre là très très important. Docteur Mickey il en parlait de la taille des pupilles, la mesure de la taille des pupilles. Cette taille, ces pupilles là diminuent avec l'âge et les lentilles destinées pour corriger la presbytie sont faites avec des designs spéciaux avec des pupilles sur des moyennes des pupilles petites. Par contre, l'enfant il a une pupille plus grande, donc ces lentilles là peut-être ils ne sont pas destinés pour faire le contrôle de myopie et il nous faut des designs spéciaux pour ça, avec des moyennes de pupilles plus grandes. Donc ça c'est une analyse physique des lentilles souples multifocales avec un aberromètre physique qui travaille avec le principe Shack-Hartmann comme les aberromètres oculaires et où on a mesuré l'addition mes périphériques des lentilles. Par exemple, c'est la Proclear et la Biofinity. Donc ça, c'est une topographie sur lentille souple. Donc le patient, il porte sa lentille souple et on a fait une topographie pour mesurer l'addition en mes périphériques. Et avec la Biofinity, nous avons une addition de 1,9 dioptrie. Avec la Amyopic, ça c'est une lentille souple disponible en Algérie, destinée pour contrôle de myopie. Avec la Amyopic, nous avons 2,40 dioptries en mi-périphérie.
La disque, c'est une lentille chinoise aussi, avec une, qui a une addition de 50 en mes périphéries, si on mesure l'addition. La Mylo, c'est une autre lentille du laboratoire Markinovic, que le docteur McKee a parlé. Mylo et Dof, donc ils ont deux lentilles utilisées pour le contrôle de myopie, dont l'addition, elle est plus faible, mais elle, cela est dû à, au principe de défocus, au principe EDOF que Dr. McKee a précisé. La MySight qui a eu le FDA approval il y a 2 semaines, la MySight de Cooper Vision, donc maintenant elle est approuvée par le FDA aux États-Unis. C'est une lentille journalière de, pour contrôle de myopie. Donc l'enfant est à des boîtes de 30 lentilles à chaque fois qu'il renouvelle. La MySight, elle a une addition de plus de 50 en mes périphériques et d'après des études publiées, elle est efficace pour contrôler la myopie chez l'enfant. La Natural View, c'est une lentille pour presbyte qui a quand même à géométrie concentrique, donc qui a quand même plus de 80 dioptries d'addition. La Soft Ortho-K, c'est une lentille souple qui, que la face antérieure a la forme de l'anneau de l'orthokératologie, qu'on génère avec l'orthokératologie, appelé Soft Ortho-K. Donc on voit ici l'anneau sur la topographie antérieure. Et dans l'addition, elle est de plus 3, parmi les additions les plus importantes dans cette gamme-là. Bien sûr, dans ces adaptations des enfants, dans les adaptations des enfants avec une myopie évolutive, il faut considérer le centrage de cette lentille. Parce que si on veut avoir un effet maximal de freination, il faut que cet anneau mépériphérique coïncide avec le bord pupillaire, avec l'air pupillaire. Donc, et si la lentille est décentrée, on a vu que les lentilles souples ont toujours tendance à se décentrer en temporal. Donc si cette lentille est décentrée, on n'est pas vraiment en train de on n'est pas vraiment efficace, on n'est pas vraiment en train de contrôler la myopie. Ça c'est la même slide que Dr. Mouké a présenté, toutes les lentilles ont un décentrement temporal. Maintenant, si cet enfant-là a des paramètres hors standard en lentille souple, des puissances qu'on ne peut pas prescrire en lentille souple, ou on veut être sûr que notre enfant, on l'a adapté avec une lentille sûre, en évitant les complications, il y a des lentilles rigides. Il existe des lentilles rigides à gradient de puissance, donc qui ont le même principe, une addition en mi-périphérie, utilisée pour le défocus myopique périphérique rétinien. Le principe c'est le même, c'est la défocalisation périphérique. La lentille rigide, elle est de grand diamètre, donc 10-20 de diamètre, qui contient, celle-là c'est la 1 myopique de Presilens. Donc la lentille contient deux réservoirs de larmes en périphérie pour le centrage. Parce que le problème avec les lentilles rigides, c'est le centrage toujours. Donc cette lentille contient deux réservoirs en mi-périphérie qui vont servir à centrer la lentille et garder l'anneau mi-périphérique dans le bord pupillaire. Pour les paramètres, là, on peut corriger n'importe quelle myopie jusqu'à moins 20. Et on peut la faire en torique interne si l'astigmatisme cornéen est important et supérieur à 2,50, ce qui n'est pas possible en lentille souple. Donc avec la rigide, c'est possible, on peut aller jusqu'à 8 dioptries d'astigmatisme cornéen. On peut la faire en torique externe, donc s'il y a un astigmatisme interne chez cet enfant-là, on peut aussi prescrire des bitoriques calculé par le laboratoire. Pour les matériaux, on peut la faire en Boston XO ou en Optimum 125, bien sûr sur commande, on peut faire n'importe quel matériau. La lentille a un diamètre standard de 10-20
Mais on peut y aller jusqu'à 11. Pour la lentille souple, amyopique toujours, la lentille souple, le système de stabilisation il est dynamique et la lentille elle est trimestrielle par rapport aux autres lentilles journalières bimensuelles. Celle de Markinoville à Milo, elle est mensuelle. Elle est sur mesure bien sûr, il faut prescrire du sur-mesure chez cet enfant-là. Le taux d'hydratation il est de 75% et bien sûr le principe de défocalisation périphérique, c'est le principe EDOF toujours qu'on a parlé tout à l'heure. Maintenant il y a une autre lentille d'un autre laboratoire disponible ici en Algérie, le laboratoire Appenzeller, laboratoire suisse, qui ont une lentille souple et une lentille rigide pour contrôle de myopie appelée ProAssist. Le principe est le même, mais la particularité dans cette lentille, c'est qu'ils définissent l'addition en mets périphériques nécessaire pour cet enfant par rapport au degré ou au risque d'évolution. Il y a un questionnaire qu'on montre que les parents doivent remplir. Ce questionnaire, il est simple, disponible en ligne sur le site Myopia Care. Donc, les parents doivent remplir répondre à des questions et d'après les réponses, nous avons un score en dernier. Ce score va définir combien cet enfant risque d'évoluer, sa myopie risque d'évoluer. Donc, et selon la sévérité de l'évolution de sa myopie, on choisit l'addition mais périphérique. Donc si elle est faible, très faible, modérée ou sévère. C'est ça la particularité de cette lentille. La IMAP AS, on peut la faire aussi en bitorique, en torique interne, en torique externe, toute puissance. Il n'y a pas de limite dans la lentille rigide. Par contre, pour la lentille souple, il y a des limites de réfraction. Donc le design il est spécifique, c'est pas un design multifocal, c'est un design spécial pour contrôle myopie, peu de perte de contraste et un peu de soutien de l'accommodation et existe en rigide et en souple. Donc en conclusion, les résultats des lentilles anti-myopie semblent prometteurs. L'efficacité moyenne se situe autour de 30 à 40% en longueur axiale, qui est pas mal. Et la décentration, le décentrage affectera le résultat. Heureusement, nous avons la possibilité de personnaliser des lentilles. Donc, s'il y a un décentrement, si l'enfant, on n'arrive pas à l'équiper en souple, on peut l'équiper en rigide. S'il y a un décentrement en souple, on peut ajuster ça, on peut ajuster les optiques. Voilà, c'était ça. Je vais passer rapidement à. Si vous avez des questions, sinon je passe à. Aux lentilles, toujours dans la multifocalité. Toujours dans la multifocalité, mais dans un autre type de lentille de contact. Maintenant, il y a des patients qu'on peut pas équiper en lentille souple ni en rigide, comme les cornées régulières sévères, difficiles à corriger avec une lentille standard rigide ou même lentille design spéciaux rigide. C'est des patients qui nécessitent une adaptation avec une lentille plus spéciale, sclérale. Et ces patients-là sont presbytes. Donc les post-chirurgies réfractives, post-kératoplastie, les patients qui présentent des sécheresses oculaires qu'on a équipées avec des lentilles sclérales pour garder le réservoir de larmes. Donc ces patients-là peuvent être presbytes en même temps. Donc ça existe des designs multifocaux dans les lentilles sclérales. Oui, ça existe. Je vais parler
d'une seule lentille parce qu'il y a, il y en a plusieurs. D'ailleurs, pour adapter une lentille sclérale multifocale, il faut toujours choisir un design. Il faut corriger, bien corriger de loin, faire le, laisser le patient porter sa lentille de, uniquement monofocale, puis après un mois ou deux mois, après qu'on est sûr que cette lentille-là est bien adaptée, on peut ajouter une addition de près et la rendre multifocale parce que c'est la face antérieure de la lentille où on peut rajouter la multifocalité. Aujourd'hui, on va parler de la OneFit. C'est une lentille fournie par le laboratoire Blanchard et qui existe en plusieurs designs, OneFit standard, OneFit Med et plusieurs designs. Donc, la lentille sclérale, elle sert bien sûr à corriger les amyotropies, l'astigmatisme et la presbytie. On peut compenser la sécheresse oculaire et nous avons une optique optimale à toute distance. Le design, bien sûr, il diffère de l'œil dominant à l'œil non dominant. C'est des center distance, mais la largeur de la zone optique diffère entre l'œil dominant et l'œil non dominant. Il y a une seule valeur d'addition, comme un progressif, donc dans la prescription, mais juste addition, comme dans le verre. La sélection des images par neuroadaptation peut prendre quelques jours, parce qu'on est face à une cornée peut-être irrégulière, même si on est face à une cornée régulière, c'est une lentille sclérale, donc peut prendre quelques jours. Ne pas changer les choses trop rapidement, déterminer dominance oculaire, bien sûr. Donc la lentille doit être centrée, sans mouvement et sans résistance. Donc si la lentille bouge, cette multifocalité va influencer la vision et il faut faire sûr, avant de prescrire la multifocale, il faut être sûr que cette lentille est bien centrée et qu'elle n'est pas en train de bouger, sinon on aura un mauvais résultat. Donc le dégagement doit être optimal, il faut mesurer la vision binoculaire. Il faut peut-être faire communiquer avec le patient, il faut lui dire que ce n'est pas le parfait pour lire un livre pendant deux heures. Ça va vous aider pour voir votre montre, pour voir les tickets dans la supérette, pour voir des choses exactement. Mais pour lire une lecture prolongée de deux heures, c'est pas la solution idéale. Donc si vision fonctionnelle, laissez aller le patient avec les lentilles, suivi dans deux semaines, il faut le suivre pour voir comment le patient s'adapte avec cette lentille-là. Présence d'astigmatisme résiduel, si par exemple dans les kératocones évolués, les stades 4, où la face postérieure est très cambrée, on est face à un astigmatisme résiduel même avec une lentille sclérale. Dans ce cas, on ne peut pas faire une multifocalité avec une torique externe dans la même lentille. Donc il faut choisir entre les deux ou passer à un autre type de lentille. Remesurer l'acuité visuelle en monoculaire, toujours une rétinoscopie, docteur Mke en a parlé, et considérer une épaisseur augmentée ou de cambrer la lentille. Les problèmes en vision de près, s'il y a des problèmes en vision de près, on peut rajouter plus 0,25 sur l'œil dominant. Si c'est insuffisant, il faut rajouter plus 0,25 sur l'œil dominant, sur l'œil qu'on a corrigé pour lire. Si OK, validé, et l'acuité visuelle de loin, elle est très très importante parce qu'on n'oublie pas qu'on a fait la lentille sclérale pour ce patient pour corriger sa vision de loin d'abord. La vision de près était juste une option pour lui. Autre problème, comme les monofocales, les lentilles sclérales monofocales, donc manipulation, bulle, lentille serrante, dégagement limpe et piqueté cornéen, hein. C'est des complications similaires à celles des lentilles monofocales. Donc en bref, elle fonctionne très bien, facile à adapter, basée sur la dominance, pas de besoin de lentilles d'essai multifocales, comme l'addition est la même des lunettes, on n'a pas besoin de lentilles d'essai multifocaux, et elle est confortable comme une souple et la vision d'une rigide. Ça, c'est une étude que je vais passer. Les lentilles sclérales multifocales disponibles en Algérie, on a pour l'instant deux, la OneFit et la Zenlens,
Azenlens de Alden. Donc, en conclusion, la lentille est idéale pour débuter en adaptation de grand diamètre. Elle couvre plusieurs besoins, cornée régulière, irrégulière et presbytie. Elle est prévisible, intuitive, parle votre langage et meilleure expérience pour le patient. Voilà, c'était ça pour les lentilles sclérales multifocales. Je fais vite parce que on nous demande de la fin. Je vais être très rapide pour la dernière présentation pour l'orthokératologie progressive. C'est un cas à préciser qu'on a eu un prix lors du premier sommet international des lentilles de contact de spécialité à Rome. Donc c'est un petit peu le GSLS des États-Unis en Europe. Donc on a présenté un poster, une série de cas adaptés en lentilles d'orthokératologie. Donc c'est des hypermétropes presbytes qu'on a adaptés en lentilles d'orthokératologie. Donc l'orthokératologie elle est utilisée à 80%, je dirais, c'est juste un chiffre que j'ai donné comme ça, dans le contrôle de myopie. Donc on est en train d'aplatir la cornée centrale et en créant cette anomie périphérique. Mais cette technique, on peut l'utiliser aussi dans la correction de l'hypermétropie et la presbytie. On verra comment donc ces lentilles sont, comme je viens de le dire, ils sont largement utilisés pour la correction temporaire de la myopie. Mais d'autres designs sont également disponibles pour corriger l'astigmatisme, l'hypermétropie et la presbytie. Donc, comment on peut faire ça? Le design, avec la zone centrale, on va cambrer l'épithélium cornéen d'une façon de créer un halo, un îlot central, pardon. Cet îlot central va servir d'une correction pour la vision de loin. Donc, si on mesure sur la topographie, on trouve qu'on a généré du plus au centre. Donc on est en train d'épaissir l'épithélium cornéen au centre avec cette pression, avec cette lentille rigide, et on est en train de créer un anneau en mi-périphérie. Cet anneau là va servir comme addition en vision de près. Bien sûr, ça c'est la topographie après port de lentille pour orthokératologie pour hypermétropie. Donc ça c'est la vision centrale ou la zone optique, et ça c'est la vision de près ou la zone périphérique. Donc cette cambrure là, ce réservoir de lame, c'est là où on est en train de cambrer sur l'épithélium, on est en train de serrer. Donc il nous donne la zone optique, et cet anneau là qui fait du succion, donc là c'est là où on est en train de créer l'anomie périphérique qui va servir d'addition en moyenne périphérique, qui va servir d'addition de lecture de vision de près. Donc le premier cas était une femme de 41 ans, hypermétrope. Il faut mesurer les diamètres pupillaires, c'est très important dans ces cas-là, parce qu'en fonction de ses pupilles, de ses diamètres pupillaires et le diamètre cornéen, on va faire le design de la lentille finale pour avoir l'addition nécessaire. C'est le même patient après port, après un mois de port de lentille DRLH. Et ça, c'est la carte différentielle, donc avant et après. Ici, le curseur il est au centre, on peut voir qu'on a généré un plus 2, 25 et un plus 2 d'hypermétropie. Donc, on a corrigé l'hypermétropie centrale. Et si on met le curseur du topographe en mi-périphérie, on va trouver une addition aussi de plus 1,75 ou plus, qui est progressive. Donc l'addition elle progresse vers l'inférieur. Le deuxième cas, c'est un homme de 47 ans, hypermétrope de plus 2,75 avec relativement des pupilles normaux. Topographie après un mois de port. Donc, on peut voir la zone centrale, la zone périphérique. Et la carte différentielle va nous donner combien on a corrigé. Donc, ce patient a été parfaitement corrigé de loin. 3 dioptries,
2,59 dioptries. Donc on a corrigé son hypermétropie de loin et on a créé un anneau en mi-périphérie qui va servir comme multifocal de près. Le troisième cas et le dernier cas, c'est une femme de 56 ans, hypermétrope avec des pupilles normaux, un diamètre cornéen relativement petit. Sa topographie après un mois de port. Donc le patient, on l'examine après une nuit, sept nuits et un mois. Et ici, on a généré quand même moins que cette patiente était sous-corrigée en vision de loin. On ne pouvait pas corriger au-delà de ça. Donc en conclusion, il est évident que les réponses de combrure de l'épithélium cornéen peuvent être plus lentes et plus variables et imprévisibles que les réponses d'aplatissement avec le myope. Donc c'est le contraire et ils sont plus imprévisibles. La lentille d'orthokératologie à double réservoir, la DRLH, est efficace pour corriger l'hypermétropie faible à modérée et utilise une zone de traitement plus petite pour utiliser la combrure inversée afin d'améliorer l'effet de proximité. De futures études, bien sûr, on doit faire un échantillon plus large pour mesurer l'influence pachymétrique et topographique. Voilà, je vous remercie. Donc, merci à tout le monde. Donc, je pense qu'on va sauter la partie essai sur volontaire parce qu'on doit libérer la salle. Merci d'être présent jusqu'au bout et à la prochaine. Au revoir.